Bonjour à tous, ici Lumi13. Eh oui, c'est Lumi13. Donc, bonjour à toutes. Donc, j'ai décidé de commencer à faire des face cams. Donc, des face cams, pour ceux qui savent pas, c'est se montrer. Donc, on voit notre tête, on voit nos émotions et tout, et c'est un peu plus intéressant. Donc, après, c'est du Minecraft, donc c'est vrai que c'est pas fifou, mais bon. On peut essayer quand même, parce que je me suis dit par finir que ne pas montrer ma tête, c'est un manque d'identité sur ma chaîne YouTube. Parce que j'aurais bien aimé que les gens savent qui est derrière cette chaîne. Donc voilà, je vous montre qui est derrière cette chaîne, c'est moi. D'ailleurs, vous avez la même voix, hein, qui n'est pas changée. Donc voilà, on va tout de suite essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Donc, on y va. Donc, toujours mon petit skin Fox Champagne qui est là et qui va bien. Donc, on va commencer une nouvelle aventure sur Minecraft. Ça s'appelle Minecraft.jar. Enfin, c'est .jar quoi. Après, on va peut-être trouver un autre nom parce que, puisque d'autres youtubeurs ont déjà utilisé ce nom-là, donc c'est certains youtubeurs, je ne citerai pas. Ben, si je peux citer Unsterblitcher et NuitiTeuf, que j'admire beaucoup, surtout NuitiTeuf, il est très marrant. Enfin, voilà. Je vais donc commencer sur mon aventure, sauf que moi c'est tout seul. C'est la première fois que je commence une aventure en facecam. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, au montage, je regarderai avant de poster parce que je ne suis pas con non plus. Je vais pas le poster où je fais des têtes comme ça ou comme ça, enfin des têtes horribles. C'est pas mon but. Donc voilà, c'est mes premières fois. Vous imaginez un moment où je fais une tête comme ça? Enfin, toutes des têtes bizarres comme ça. Bon, c'est fini. Bon voilà, des têtes immondes. Donc du coup ben j'osais pas trop outrer ma petite tête parce que j'avais peur que je faisais des têtes comme ça par exemple. Souvent je fais pas attention et tout comme ça. Donc du coup je me dis ben ouais mais putain on dirait un gogol quoi, je vais pas me filmer comme ça quoi. Je me suis dit ben essaie de fermer ta bouche déjà. Ça va t'entraîner à pouvoir fermer ta bouche et savoir que t'es filmé, donc du coup ça peut-être être intéressant pour mes vidéos futures. Oui, maintenant c'est la bouche serrée. Donc pour commencer, oui, ça va pas sans changer apparemment. Il y a toujours des prises un peu trop quand même, un peu trop. S'il te plaît, respecte quand même, respecte-moi. Minecraft. Donc nous allons commencer à récolter ces jolis bois qui sont sous le nom de bois. Donc nous y allons. Là là, je me promène, je récolte du bois avec mes mains, c'est tout à fait normal. C'est voulu. Bon alors. En fait, ce qui est bien avec quand on se filme, c'est qu'on peut. Il y a plus d'intérêt de regarder la vidéo que en tête, en fait. Je trouve. Après, voilà. Il faut aimer les têtes. Blague de merde. Moi-même, j'en suis pas très fan. Non, allez, on va arrêter avec ces blagues qui n'ont aucun sens. Donc voilà. Y a personne qui a compris la blague. Ben, en moi-même, ça veut rien dire, hein. Des têtes de quoi? De youtubeurs? Ouais, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont assez spéciales, mais après, on sait pas quand même. Au moins, eux, ils osent se filmer parce que en ce moment, je vous parle, mais je n'ai pas encore mis la vidéo en ligne. Donc, je peux très bien changer d'avis et ne pas mettre cette vidéo en ligne. Et du coup, après plus tard, continuer à faire des vidéos, let's play, commenter, ça me gratte beaucoup.
sûrement la nervosité. Et du coup, ben, de pas sortir du tout la vidéo et plus tard sortir plutôt oui, bon, sortir plutôt une normale où on voit pas ma tête et continuer comme ça. Mais je me suis dit, c'est ma chaîne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une chaîne et qu'on a presque 100 abonnés? Il m'en manque au moins 22 avant que j'en ai 100, puisque j'en ai 78. Et à voir aussi que les gens n'essayent pas de me troller en se désabonnant aussi. Et du coup, par commentaire, ils vont dire « Ah mais non, c'est pas vrai, t'en as 71, arrête de mentir hein. » Enfin voilà, tout ce genre de personnes-là. Donc voilà, c'est vraiment fou. Non, c'est ça, moi je me suis dit, autant m'amuser, autant me faire plaisir, parce que moi au début, quand je voulais faire des let's play commentés, mon but c'était vraiment de me filmer. Pas de me cacher derrière une porte, comme on dit, derrière un écran où on voit pas ma tête. Ça m'intéressait pas trop, en fait, j'avais pas plaisir, mais si j'ai un plaisir vraiment différent, parce qu'on voit ma tête. On voit qui je suis, on voit qui c'est, on voit qui est derrière la cam. Et ça, c'est vraiment fascinant. Donc ici, on a tout pété. Par chance, on a récupéré des pousses d'arbres. On aurait pu ne pas en récupérer. Et du coup, on aurait été vraiment dans la merde pour la suite des aventures. Donc on va légèrement, par précaution, je vais les planter un peu plus loin par rapport aux fenêtres pour ex être ex. Être sûr que ça pousse, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait ne pas pousser. Là, elle est là. Bon, là, on va dire. Non, c'est pas bon. Là, on va dire que là, c'est bon. Donc voilà, on va laisser pousser, hein, on va laisser faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on va. J'ai deux sortes de bois. Je sais pas pourquoi. Apparemment, j'ai pas fait attention, mais j'ai deux sortes de bois. Je ne comprends pas pourquoi j'en ai deux sortes. Mais, comme celle-là, elle est moche. Comme Biloulette dit si bien, ben on va prendre celle-là. Enfin, elle dit que c'est pas facile d'employer pour les décos. En fait. Elle a raison. Donc, désolé, je suis aussi un peu malade. Donc, c'est normal si je parle un peu du nez. Enfin, c'est pas vraiment que du nez. En fait, c'est un début de. Mon grand frère m'a refilé son rhume des foins, comme on dit. Et du coup, j'ai un mal de gorge qui commence, mais ça commence seulement. Donc ça va être encore plus pénible le lendemain. Donc j'en profite que j'ai eu l'idée de faire des vidéos en facecam et que je suis en pleine forme plus ou moins pour voilà quoi faire ces petites vidéos avant de pas être bien dans ma peau. On va. Donc du coup qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, on va casser ça. Après oui, c'est vrai que la peur est là. Hein, Enfin, après, je me dis, là c'est différent. Je fais un let's play commenté. Donc c'est pas le même que faire une facecam où je fous rien et j'explique seulement des choses. Donc dans un sens, ça va, c'est faisable. Sincèrement, c'est vraiment faisable et il y a vraiment moyen quoi. Donc. Et puis tout le monde se fait scam, et merde. C'était surtout pour des raisons assez paranoïaques que je me filmais pas. Je les garde pour moi parce que c'est privé. C'est dans le domaine de la vie réelle. Et du coup, ben, je me filmais pas, quoi. Je crois que c'est pour tout le monde, en fait, ça. Au début, on n'ose pas se filmer de peur du jugement des autres, déjà. Et aussi de peur pour d'autres raisons, pour d'autres personnes. Certaines personnes nous retrouvent sur YouTube. Donc du coup, ben, on n'ose pas se filmer en fait. C'est surtout ça qui pose problème. Et ça empêche toute créativité. C'est vraiment triste. Je me suis juste dit que si un jour je me fais par exemple voler ma chaîne, les gens verront qui je suis. Par exemple, ça aussi. Ça peut permettre de montrer aux gens. Enfin, j'espère pas me faire voler ma chaîne, mais je veux dire, si quelqu'un essaie de m'usurper en faisant une autre chaîne et en faisant croire, en faisant des voix ou je sais pas, en m'imitant ou quoi, il faudrait vraiment que vous voyez ma tête. Si cette personne est malveillante et qu'elle dit des choses méchantes et qu'elle fait croire qu'elle est moi, comme ça vous voyez à quoi je ressemble et que je suis pas quelqu'un de mauvais. C'est surtout pour ça aussi que je veux faire des vidéos en facecam, c'est pour montrer qui je suis et ne plus me cacher derrière un écran.
C'est tout bonnement ça, hein. C'est surtout aussi pour ça. Mais bon, voilà, c'est mes premiers let's play, donc, enfin, en facecam. Bah, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que j'ai l'impression de là vraiment vous parler. J'ai beaucoup plus d'intérêt en fait que quand je me filme pas en fait, filme pas. Voilà. Il y a un intérêt plus accrocheur. Par contre, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est de savoir si on me voit bien. Normalement, ça va. J'espère que vous me voyez bien, parce que sinon, c'est un peu galère pour vous. Je vais juste vérifier si on me voit bien. Il commence à faire assez tard. Oui, ça va. On me voit très bien. C'est nickel. C'est nickel. On me voit bien. Il n'y a pas de souci. Parce qu'au début, je me disais, mais ouais, mais il fait clair quand même. Je me disais peut-être qu'on me voit pas très bien. Mais sinon ça va. Apparemment on me voit très bien. C'est ce qui compte, hein. Après, comme vous avez compris, j'utilise ma facecam de mon PC, hein. Pas autre chose. Parce que voilà, j'ai pas autre chose. Et derrière, vous avez mes linges que j'ai lavé, qui sèchent, enfin qu'on a lavé, enfin. C'est pas moi qui les a lavés, c'est la machine, mais bon, je me comprends. Ils sont en train de sécher là où ils peuvent sécher. Donc maintenant, regardez, ce que j'ai fait comme connerie, c'est que au lieu de penser à faire déjà un premier trou pour pouvoir faire un passage, ben, je me retrouve comme un con coincé. Heureusement que ici il y a de la grille, que si ça aurait été que du bloc, j'aurais pas été un peu dans la merde. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, c'est vraiment what the fuck. Pourquoi j'ai ça moi? Je vais faire quoi moi? Ah ouais. On va faire Non, ça je pense pas. C'est sûrement pas pour ça parce que ça m'étonnerait que ça attirerait plus de monde ou d'abonnés. J'en sais rien du tout. Sincèrement, j'en sais que dalle. Moi ici, c'est pour m'amuser, hein. Je me fais plaisir. Je veux dire, c'est un droit de me faire plaisir. De toute façon, sur DeviantArt, par exemple, j'ai des photos avec mes de moi. Donc pourquoi pas utiliser une animation facecam pour ça? Je veux dire, il n'y a pas de mal. Je veux dire, sinon les autres youtubeurs auraient déjà arrêté s'il y aurait tellement de soucis à ce point-là. Donc je pense que ça va. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, après, voilà, c'est fifou, quoi. Oui, c'est vrai que là, je disais des bêtises, parce que si la personne supprime mes vidéos, de toute façon, ça va pas ma place. Non, mais au moins, ils verront à quoi je ressemble de base. Non, c'est rien, je parlais tout seul pour le truc que j'avais dit, l'histoire de me faire voler ma chaîne, ou que quelqu'un usurperait avec une autre chaîne. Enfin, déjà, pour l'instant, je sais, vous allez dire il est con. Pourquoi? Parce que je suis pas célèbre, j'ai que 38, 78 abonnés. Donc je suis vraiment pas célèbre du tout. Sincèrement, qui voudrait avoir ma chaîne, quoi? Y a pas d'intérêt. Donc c'est vrai, déjà. Ça c'est sûr. Donc ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer. Commander, on va commenter. Comment? Non, je déconne. On va commencer à faire notre four comme ça. La 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 la. Je fais un four tout seul comme un con. Alors, on va y aller. Alors. À l'œil, bon, on y va. Alors, voyons voir. Donc, je sais pas pourquoi là-bas c'est noir. Ah non, c'est pas noir, ça va, c'est assombri. Bon, après, mes chunks sont pas immenses. Bon, vous avez déjà remarqué qu'il y a moins de lag, c'est un peu plus fluide. C'est à 24-25 FPS. J'ai réduit la qualité des FPS, mais c'est beaucoup plus fluide du coup parce que j'ai fait encore des paramétrages. Parce qu'il y avait des soucis encore. Donc maintenant ça frise un peu moins.
Et c'est beaucoup plus fluide, mais ça a 25 FPS quoi, c'est pas plus. Voilà. Donc, oui, bon, après il y a quand même de temps en temps des prises. Hein. Il faut pas trop rêver, c'est main. Il faut pas oublier que c'est Minecraft Windows 10 bêta. C'est pas Minecraft Windows 10. Donc bêta veut dire en bêta test. Après j'adore ce Minecraft aussi. Hein. D'ailleurs je remercie l'équipe de Microsoft pour l'avoir créé. Mais voilà, c'est chiant un peu ces bugs de freeze. Ça aurait été marrant, tu vois, qu'il freeze au moment où je saute, mais bon. Et en plus ça le fait pas au bon moment. Bon voilà. Donc voilà, c'est vraiment un peu agaçant. En fait, ça le fait au moment vraiment qu'on a. On n'a pas besoin de ça. Hein. Vous imaginez, vous vous faites tuer et pousser dans la lave, vous avez un freeze. Au moment où vous voulez vous battre contre un monstre, donc du coup ça fait un gros décalage et vous faites éjecter dans la lave ou un truc dans le genre, quoi. C'est vraiment ce genre de freeze de troll là qui est dans ce jeu. Enfin, j'en suis sûr qui fait partie du complot d'Illuminati. Non, je déconne. Bon, alors vous avez vu, j'ai des cannes à sucre. Bon, un peu. Oula. Chaque fois j'en prends une dose, ça freeze. Et c'est pas de la coke, hein. Bon, alors. Je réfléchis ce que je pourrais faire. Donc je pourrais très bien commencer à faire ma maison, mais comme j'ai déjà en soi c'est déjà une sorte de maison. Hein. Bon, je veux dire, il y a déjà ce qu'il faut pour nous protéger des monstres. Hein. Le soir il n'y en avait pas, le jour il n'y en a pas. Donc voilà, c'est déjà un bon endroit sans monge. Sans monstre, pardon. Il faut déjà voir si on est en mode, on est en difficulté facile quand même. Parce que je rappelle, je suis un noob. Donc du coup, je ne suis pas trop puissant dans Minecraft. Je suis pas Dieu tout puissant. Donc voilà, je suis pas fort fort doué. Donc nous allons continuer cela. Bon, alors, en fait, le but de ces. J'ai vu avec NT et Nutitaf. Le but de cette version de map là, son but c'est de devoir se casser le cul à faire des plateformes pour pouvoir rejoindre et tout casser au fur et à mesure pour pouvoir faire des. Pour pouvoir vivre et continuer l'aventure. Donc en bref, on doit tout visiter et récupérer des trucs. Je crois que c'est des bouchons machin. Ben, je sais plus, des sortes de trucs de bouchons, il faudrait que je vois une fois une sorte des éponges, je penche, oh, ça penche. C'est dommage que je peux pas vous ajouter des effets spéciaux, par exemple quand je dis je penche, je fais pencher le truc pour faire un peu rire, mais je peux pas donc je fais moi-même, hop, jeu de mots de merde. Donc c'est de la merde. Donc voilà, donc nous allons voir ce qui nous reste de cobble. Donc voilà, déjà avec le peu de cobble qu'on a, on peut déjà essayer de tenter de faire, non j'ai connu, de faire, oui, qui est super épique fail. Alors là voyez-vous, je me concentre parce que déjà je pars en ville. Et je me pète la gueule. Génial. Non mais sérieux, je suis mort là. Un peu con ça. Bon bah tant pis. Hein. Vous voyez, c'est l'epic fail, quoi. Premier fail de la journée. En notant que je dois un peu regarder combien de minutes où j'en suis, parce que je sais pas combien de minutes ça va prendre. Je vais pas trop prendre mon temps. Donc ici je vais essayer de pas trop traîner sous les choses, donc voilà. Bon ici j'ai plus de. Comme vous voyez, j'ai plus du tout de. Bah allez. De pioche. Donc je peux plus rien faire. Ah bah merci d'avoir regardé. Au revoir. Non j'ai que. Bon donc il faut attendre que les arbres poussent. Pour récupérer des. Des machins. Des plantes. Donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire en attendant. Ah ouais là c'est un gros fail de ma part. Mais à mon avis, j'ai un poil dans la bouche. Ça va pas être le premier. Je vous rassure tout de suite. Ça va pas être le premier fail dans Minecraft. Hein. Je vais sûrement me casser souvent la gueule. Comme ceci. Voilà. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. Il y a rien ceci. Voilà.
voyez, il y a marqué vous êtes mort. À pas confondre le Mordor. Non, c'est pas un bon jeu de mots, ça, en fait. Bon, ok, je me casse alors. Prendre ma place, voilà. C'est bon, je suis revenu. A été très pénible, j'ai pleuré pendant des heures. Bon, allez, sincèrement, il est. Je sais pas, en fait, je sais pas combien je suis. Je vous dis à tout de suite. Ou alors, non, même pas. Pour le premier épisode où je mets ma facecam en route, je vais vous dire que c'est ici que qu'on se termine. J'espère que vous avez apprécié ce moment à ma compagnie, enfin, avec ma face devant. Ma face de paix. Ça aurait été bien que je puisse rajouter des applaudissements, genre avec un zoom qui fait. Avec un applaudissement, vous savez, genre. Ouais, pour dire qu'est-ce que c'est drôle. En fait, c'est merdique. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Quand même, moins de politesse. Je vais montrer ma tête. Donc je vous dis à bientôt et bye bye.